Bernard Hinault once said, "The most important thing in your career is the image you give to the people, your attitude on the bike." He wasn't content to just win. He had to win with style, with panache. That is France's gift to the cycling world. The result is important, but sometimes the journey is more important. The early attack against reason and tactics, the marriage of invention and imagination, the desire to not simply win or create, but to do so in a distinctly French way. The Grand Tour, l'Enfer du Nord, and the bicycle itself are all results of this. There are names that have embodied this uniquely French inclination, have kept it alive and thriving, some for more than a century. These are the pillars of French cycling. L'histoire du composite commence à être relativement longue, puisque le premier 4 carbone, je l'ai assemblé en 1982. À cette époque, nous ne parlions que de tubes carbone collés sur des éléments métalliques. Nous avons commencé notre première expérience avec la compétition de haut niveau grâce à Bernard Hinault. Ensuite, nous avons eu la chance d'équiper Greg Lemon. D'ailleurs, Greg Lemon a gagné les trois Tours de France avec des cadres que j'avais pu lui réaliser. At the beginning, we decided to be involved very much in the racing, as you know, with our pedals, with our system. And we had prestigious racers like Greg Lemon, but we also had Laurent Fignon, we had Miguel Indurain, Stefan Roche. After a few years, I decided to diversify the company in the composite technology and hire a well-known engineer who used to make composite frame for a company whose name was TVT. And this engineer, Jean-Marc Vigneault, did join the company. En 1990, fin 90, j'ai décidé de rejoindre l'équipe de Time qui proposait une feuille blanche pour développer de nouveaux produits composites orientés dans le domaine du cycle. Depuis cette époque, nous avons pu mettre en œuvre toutes les idées qui déjà nous animaient depuis quelques années. Donc ici, on trace le carbone. Ici, nous réalisons une structure tubulaire avec des angles définis en fonction des contraintes mécaniques. Ici, nous avons un autre type de tresse unidirectionnelle. C'est une tresse qui mélange deux types de fibres, à la fois des fibres de carbone, mais aussi des fibres de Vectran. Les fibres de Vectran ont la particularité d'améliorer la filtration de la structure composite. It's good for comfort, and it's a specificity of Time to bring comfort to people. Mais le fabricant unique de cadre en RTM. Le RTM, c'est un cadre qui est fabriqué à partir d'un fil de carbone qui est tressé, ce qui permet d'avoir des caractéristiques techniques qui sont très intéressantes. On peut notamment jouer sur la rigidité des produits et sur le confort que l'on veut apporter. Une caractéristique technique importante des produits Time, c'est le fait que nos produits sont réalisés dans notre usine propre à côté de Lyon, donc des produits made in France. Time se veut une entreprise éco-citoyenne. Nous allons travailler, nous travaillons d'arrache-pied pour porter des produits éco-conçus avec l'ajout de fibres de carbone.
Yeah, we had the chance to have very good racers using our frames and our bikes. We are the first brand who won the same year the World Championship with Bettini, and this same year we won the World Championship of Time Trial with Michael Rogers. Avec Bettini, Bounen, nous avons réalisé des vélos neufs quelques semaines avant des compétitions comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Et souvent, les coureurs ont gagné les courses qui ont suivi. Donc, c'est des expériences qui sont toujours fortes et des moments très très intenses, évidemment, à chaque fois. Aujourd'hui, les produits que nous produisons sont le reflet un peu de toute cette histoire de relation avec la compétition, avec ses bons et ses mauvais moments. Nous avons eu beaucoup de réussite, mais aussi quelques difficultés. Mais ces difficultés nous rendent sûrement un petit peu plus forts aujourd'hui. Jeudi 7 avril, on est à 72 heures de Paris-Roubaix et nous partons faire la reconnaissance donc des pavés. Donc aujourd'hui nous allons reconnaître le secteur de Avelui, la trouée d'Arambert et... On va essayer les bicyclettes, qui sont des bicyclettes faites pour faire Paris-Roubaix. Donc c'est un vélo spécialement Paris-Roubaix. Et nous allons essayer aussi en même temps les pneumatiques Hutchinson. Et bien sûr le nouveau secteur après la trouée d'Arambert, c'est très très important pour l'équipe. Pour regarder donc la qualité du gonflage, l'efficacité donc sur chaque coureur qui va être présent donc sur Paris-Roubaix. Un secteur pavé inédit dans Paris-Roubaix. C'est un point stratégique et il faut absolument aller le reconnaître. Donc tout ça aujourd'hui on va l'étudier et nous allons faire quelques secteurs pavés, nous allons faire exactement 80 km. It went pretty well. I think we were riding great wheels and great tires and it's really comfortable and I think we're really confident with those tires and we've been racing in Belgium for a month and a half now and we had a few flats. I think it gives us an edge on the competition for this weekend and also a lot of confidence for us to be riding well. Ça arrive quand même beaucoup, la moindre petite crevaison avec le produit à l'intérieur, on est tout de suite réparé, on n'est pas bloqué, on sait qu'on peut continuer encore quelques kilomètres, même crever. Donc c'est un gros avantage, surtout que les voitures de dépannage sont très loin dans la course. Donc, pour nous, c'est un gros avantage d'avoir des tubeless. Donc on a bien travaillé aujourd'hui avec Norbert pour les pressions de pneus Hutchinson. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour dimanche sur la course. Le Paris-Roubaix, c'est une épreuve très importante pour Hutchinson. Actually, the way you ride the cobbles is you let the bike take its own direction and you just push it. Donc, actuellement, avec la Française des Jeux, on est en train de développer un nouveau pneu tubeless qui fait 280 grammes. If you try to hang on to the bike and decide where to go, your arms will just go numb after a minute and you won't be able to finish the race. Qui a la particularité d'avoir des tringles en carbone, un flanc très souple pour absorber toutes les secousses que provoquent les pavés. But if you let it float on the cobbles, like if it's riding a wave, then you can make it through. It's hard to explain, it's easier when you're on it.
first time, so I'm a bit nervous, but I mean it's good. I'm excited and I'm pretty stoked to be doing this race for the first time, and hopefully I can do my my job, help my teammates, and do the best I can. Je pense que l'équipe marche très très bien, très très bien. Et aujourd'hui, voilà, ils sont prêts pour affronter l'enfer du Nord. Ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Après, on verra par rapport à les parcours de course. De toute façon, aujourd'hui, je vais travailler, donc voilà, on verra ça bien. On verra ça bien après tranchée de Lamberg, le point principal. Voilà. Get the helmet to fit. Très importante, c'est le poids déjà, après c'est le rendement et la tenue de route. Tous les coureurs veulent avoir le mix compromis le meilleur possible, de telle façon qu'il n'y ait pas de soucis au niveau du rendement, qu'il n'y ait pas de soucis de crevaison non plus,